Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une expansion pour Reachbuster Project Real. Et il s'agit de l'expansion Project X. Et donc, c'est une grosse boîte, exactement la même grosseur que la boîte de base. Donc, c'est déjà beaucoup de contenu. Et à l'arrière, on voit absolument rien. Donc, on va découvrir ensemble. J'ai l'impression que ça va être un giga robot, parce qu'on voit qu'il y a quatre têtes à l'intérieur de cette tête-là. Donc, c'est le même genre de carton qu'on a. On a une nouvelle tuile pour le plateau de jeu. Réversible, bien sûr. Donc, on a ça. On a les feuilles, slash feuillets. Une version en français, inclus. On a une version en anglais, inclus. Donc, quelles sont les composantes, quelles sont les règles spéciales. Et utiliser le projet X, donc les cartes de raid Advanalka. Il y a une mission. OK, donc ça fait un peu bizarre. C'est que c'est comme ça, mais l'ouverture est à gauche. OK? Donc, l'objectif de mission, il rajoute une mission, on va dire une septième mission possible, ou dépendant dans quel ordre vous avez ouvert vos expansions. Donc, on a ça ici, avec la mise en place. Et de l'autre côté, ce sont les deux missions du raid, des cartes raid, Advanalka. On l'a aussi en anglais, qui sont dans le même ordre. Bizarre que ça, c'est pas de l'autre côté, mais c'est pas grave. Par la suite, on a ici un petit jeton qui a l'air d'être nouveau. Avec des genres de portes qui peuvent s'écrouler. Donc, c'est peut-être les portes qu'on a vues dans la vidéo des portes 3D, donc qui slide. On a deux séries de cartes, anglais et français. Et on a la figurine. Ici, on ne sait pas trop. Ah, OK, c'est le carton qui allait là comme ça. Et voilà. Donc, dans celle-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air. Parce qu'on s'entend là, c'est pour cette figurine-ci et le reste est vide complètement. Donc, on va ouvrir juste un seul des paquets. On va ouvrir le paquet anglais parce que ça sert à rien d'ouvrir les deux vu qu'on va juste en avoir besoin d'un seul. Donc, évidemment, le coût de fabrication total d'une copie est plus cher parce qu'il y a plus de contenu que nécessaire. Cependant, au lieu de faire deux versions et deux SKU pour les codes pour vendre différents, eh bien, ça revient moins cher au volume. Donc, c'est pour ça qu'on a les deux langages directement dans le même jeu. Donc, on a deux cartes raid. J'ai pas l'impression que c'est le même carton que les autres cartes. On a des soldats pour donc et un engineer. Pour ces scénarios-là. Nous avons la carte de mission Projet X, donc avec qu'est-ce qui peut spawner. Nous avons une carte raid, donc avec le scénario, parce que ça, vous pouvez mixer ça avec le reste aussi. Une carte faction, donc pour ce scénario-là, et ça se rajoute aussi pour le reste. On a le torse, on a le bras gauche, on a le bras droit, on a les jambes, puis on a la tête. Donc, au lieu d'avoir une seule et unique carte, c'est plusieurs parties qu'on doit détruire. Et la tête a deux côtés, tandis que les autres, non. Le torse a juste un côté. Le bras droit a deux côtés. Les jambes, deux côtés. Et l'autre bras, deux côtés aussi. Donc, c'est ce qu'on a comme contenu. Et la figurine elle-même, qui est un monstre. C'est pesant, bien honnêtement. Là, c'est vraiment quelque chose. Donc, on va essayer d'aller chercher le tout. Pour que je me promène autour du carton, parce qu'il y a des autocollants partout. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et oui. Et la figurine elle-même, c'est ce monstre-ci. Avec le bras, les griffes,
Les têtes sont pas super bien détaillées au milieu de toute cette larve, mais le reste, franchement, c'est toute une pièce. C'est vraiment c'est tout un morceau. Et c'est tout ce qu'il y a dans dans cette grosse boîte-là. Donc, c'est sûr, si vous voulez sauver un peu d'espace, peut-être sortir les figurines des trays comme ça pour mettre peut-être dans la boîte de base. Peut-être que tout rentre. Peut-être. Donc, ça ici, la mission supplémentaire avec les règles pour les raids, les règles de cette expansion-là et un carton supplémentaire. Donc, ça, en fait, c'est qu'elle devait être dans ce sens. Il y a quand même l'insert qui sert à ça, là. Et ça ici était probablement comme ça, ou même en dessous, peut-être. J'ai l'impression que ça devait aller là. Mais peut-être juste à côté par-dessus, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, comme ça. C'était comme ça au départ, mais je me suis dit, ah, ça a peut-être switché dans le shipping, mais je pense pas que ça et les papiers se soient transférés. Donc, soyons un peu logiques. Donc, c'était le déballage de Reich Buster Project Vril, l'expansion Projet X qui est clairement ce gigarobot-là. Bye bye!